Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on est avec l'équipe TV Caraïbes là depuis Bombardo Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas l'invite au suivre une cérémonie Food for the Poor organisée ici dans Haïti. Mais avant de nous faire ça, l'équipe TV Caraïbes là veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça ou toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardo Police, l'équipe TV Caraïbes là, nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nos informations nous partageons intéressés, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça va le permettre ou faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et bien nous pas perdre de temps, n'a dérouler avec information yo. En nous, responsable Food for the Poor organiser une cérémonie spéciale côté recevoir relique vénérable Pierre Toussaint, ancien esclave qui gagne mérite pour devenir un saint d'après l'Église catholique. Et l'autre information nous gagne pour premier ministre démissionnaire haïtien Jean-Michel Lapin baille précision li sous épidémie coronavirus qui fait ravage dans continent Asie. Et bien nous pas perdre de temps, n'a commencé coulier. Aujourd'hui est un jour éminemment historique pour Haïti. Aujourd'hui est aussi un jour étrange. Un jour qui nous ramène à défiler cette bonne vieille folle qui, dans un délire de lucidité inespérée, a été prise de pitié pour l'empereur lâchement assassiné. On a ramassé les restes ensanglantés pour lui offrir à sa façon, sans stèle, sans pompe, sans cérémonie religieuse, la décence d'une sépulture humanisée. Vous êtes-vous jamais demandé s'il existe parmi nous un homme ou une femme qui sache avec certitude où ont été inhumés Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines ou Henri Christophe? Existe-t-il un Haïtien qui saurait où se trouve le document original de l'acte de l'indépendance, celui qui a été signé le 1er janvier 1804 par Dessalines, Pétion, Christophe, Capois, Geffrard et les autres pères de la nation? Quelqu'un parmi nous saurait-il où se trouve le premier drapeau cousu à la caille par Catherine Flon? Avons-nous pris le soin de conserver l'arçon de Boukman, l'arme de Peralt ou de Sully? Savons-nous où se trouve le stylo de Jean Price-Mars? Savons-nous où se trouve le saxophone de Léon Jean-Baptiste ou celui d'Issaël Saré? La baguette du général Oxygenti? Les pinceaux pervers séjournés ou ceux de Philomène Aubin? Les chaussures de Mono Salon ou celles de Philippe Vorbe? Mais je m'égare.
nous réclamons encore et toujours de 1804, nous professons une admiration extravagante pour les hauts faits d'armes de nos aïeux. Nous leur avons une admiration prodigieuse, s'il en est, une admiration mêlée de vénération. Mais c'est là un culte du bout des lèvres, un culte stérile, par lequel nous ne joignons que rarement la parole au geste. L'histoire notera malheureusement qu'Haïti Thomas est habité par un peuple devenu avec le temps ingrat et sans mémoire. Un peuple qui se soucie à peine de savoir d'où il sort et auquel il ne reste plus, par exemple, qu'une vague idée de l'Afrique maternelle. Avec le temps, même la flamme éternelle, jadis allumée au pied du nègre marron, est devenue froide et s'est doucement éteinte sans que nous nous prenions garde. Nous n'avons plus aucun respect pour le drapeau qui, il y a deux siècles, a été cousu dans les larmes et dans le sang. Nous mettons régulièrement le feu à nos écoles, à nos archives, à nos parquets et à nos tribunaux, comme si nous avions systématiquement décidé de détruire la mémoire collective, de la banaliser, de l'édulcorer, de la rendre inutile, superflue. Et pourtant, les faits sont têtus. Notre histoire est bel et bien ce qu'elle est. Douloureuse, c'est vrai, mais riche, envoûtante, enivrante. Aujourd'hui est en ce sens un jour différent. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici, comme défilait la folle, pour joindre la parole au geste. Nous sommes ici pour changer la donne historique et spirituelle de notre terre, en célébrant le retour au bercail de celui d'entre nous qui a laissé le pays esclave pour y retourner aujourd'hui libre et vénérable. Merci, sont des personnes qui embrassent la bonté et qui osent lever l'étendard pour dire non à ce qui avilit la bonté. Merci, sont ceux qui s'engagent pour une nouvelle ère de bonté. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, Haïti, notre pays, a besoin de bonté. Les pauvres du Seigneur attendent cette bonté. Nos villes, nos villages et les hommes de l'endroit ont besoin de cette bonté. Les familles haïtiennes, les enfants, les fillettes, les pauvres, les personnes âgées seules, nos institutions, les malades, nous avons tous besoin de cette bonté. La survie de notre nation dépend de cette bonté. Je prie, j'espère et j'attends en silence que cette bonté incarnée par Pierre Toussaint, un jour, puisse être connue par tous, que mon Église, en quête de bonté, un jour consacrera définitivement la bonté de Pierre Toussaint en faisant de lui le premier saint haïtien et patron des philanthropes du monde. Je termine par cette prière que je paraphrase de Léopold Sédar Senghor. Au pied de mon peuple meurtri et crucifié dans son histoire, laisse-moi, Seigneur, implorer toi, Père, plein de bonté, ton amour. Bénis, Seigneur, ce peuple qui cherche ton visage de bonté et donne à ses mains chaudes qu'elles enlacent la terre d'une sécheresse mais fraternelle, dessous l'arc-en-ciel de ta beauté. Je veux chanter avec toi, mon frère Pierre, ce paradis de beauté que tu as incarné pendant ta vie. Que le bon Dieu ouvre les écluses du ciel pour faire déverser ici et aujourd'hui sur Haïti et sur nous tous les flots de sa bonté. Que la bonté et la bénédiction du bon maître soient sur chacun de vous et sur nous tous. Que Pierre Toussaint passe son ciel à faire du bien pour Haïti et à verser les fleurs de bonté sur nous. Qu'il intervienne pour nous tous, pour notre cher Haïti, pour la ville de New York et aussi pour la ville de Saint-Marc, pour la Thibonie et pour notre cher Haïti, maître de fraternité, maman liberté, et cet Haïti qui attend la grande fraternité. Qu'il en soit ainsi et que nous devenions tous meilleurs et plus bons en créole, je l'aime dire. Et bravo pour mon Dieu qui bonne ou bien tous ces Haïti. Nous accepter de façon officielle accueillir relique, reste Pierre Toussaint. Pierre Toussaint, c'était un esclave qui était quitté le pays d'Haïti, qui était parti avec Metli, et puis qui voulait arriver à New York,
côté l'établi, il finit par gagner liberté, l'acheter liberté, il travaille comme un coiffeur, et puis à partir de ça, fait comme revenu, il prend soin de famille, et puis il contribue à aider les gens qui étaient malades, les gens qui étaient sous fièvre jaune, sous choléra, il ouvre orphelinat pour les gens noirs dans New York, il aide à construire premier bâtiment, cathédrale Saint-Patrick, l'église catholique romaine dans New York. Donc c'est un philanthrope, son monde qui a aidé les gens, son monde qui mettait besoin de avant besoin de parler. Et comme un haïtien qui est le premier philanthrope noir dans New York et qui était fait sous terre dans la zone Saint-Macchio, nous croyons que je dis, côté le processus pour le venir saint, côté l'église universelle, en passe pour reconnaître comme saint, il est déjà vénérable. Et dans le contexte côté en pile haïtien, nous gagnons absence de modèle. Côté haïtien, c'est ça, chaque coup de clair pour Géo, eh bien, nous présenter Pierre Toussaint. Quand nous avons un monde, toujours pensé à l'autre. Et qui, je dis, a fait, il traversait les siècles, il est jusqu'à nous. Il est mort en 1853. On a fait choix pour combien de temps? 1853, je dis, ça fait où? Entre l'El Pati à 20 ans et l'El Mouri, ça fait 232 ans en tout, depuis qu'il quitte Haïti. L'église catholique romaine, encore l'archidiocèse de l'église catholique romaine de New York, Lionel Cardinalio a décidé d'entreprendre des démarches pour capable Pierre Toussaint capable de venir saint à partir de Vili. Jean était baillé pour aider l'autre monde. Jean est un catholique pratiquant, un chrétien pratiquant. Et c'est Cardinal ça qui pourrait aller demander des archéologues dans New York Institute of Technology, NYIT, NYIT, pour aller exhumer reste Pierre Toussaint. Pour être capable de retirer le côté de l'ETA et puis à enterrer dans la crypte cathédrale archidiocèse de New York. C'est le premier laïc, le premier noir qui est enterré là et à côté seulement des évêques et archevêques. Maintenant, comment nous faire jeûner nous-mêmes? C'est parce que il y a un haïtien de le docteur Maryse Prezo qui t'a enseigné dans la même université avec l'archéologue en chef là, docteur Spencer Turkel, qui décidait. Les mêmes comme archéologue américain ça connaît que Madame Prise c'est haïtienne que lié et Pierre Toussaint c'est haïtien, li bali yon ti pati nan res Pierre Toussaint, il mettait le nom fiole, le nom ti bouteille, li balil. Li dit comme c'est haïtien que lié et Pierre Toussaint c'est d'origine haïtienne, li balil. Et Madame Prise gardait ça jalousement, li kembeli, jusqu'à ce que li rencontre avec président conseil d'administration Foodford de Pau, qui est M. Daniel Gérard Rousier. Et les offrir pour le bail Food for the Poor pour voyer respect aussi en Haïti. Et Food for the Poor accueillit lui parce que c'était un philanthrope haïtien, pour voir l'autre message par la société. Deux choses. La première, c'est que depuis qu'on dit philanthropie haïtien toujours est blanc, depuis qu'on dit ONG toujours est blanc, avec Pierre Toussaint, nous dit que on est noir. Haïtien, qui a philanthrope tout, qui a aidé les gens. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagaille. Dans la société aujourd'hui, chaque route pleure pour Géo. On voit de moins en moins de gens qui pensent à la communauté. Nous voulons mener Pierre Toussaint ici comme un modèle pour dire que d'abord, ça fait grandeur au monde. Ce n'est pas ni ça posséder, ni ça connaît, mais ça fait valeur au monde. Il faut traverser les siècles. C'est comment aider la communauté côté à grandir, évoluer et épanouir. Nous allons mourir pour ça tourner en terre. Eh bien, c'est le fouillé cavla, c'est notre patte, on partit dans terre, côté col de tout notre terre, vous pouvez voir là. Et ils ont retiré Ressayo en 1995-96, ils ont installé dans la crypte cathédrale de New York, là, en 1996, soit plus qu'un siècle après. Pardon. Vieillesse, quand même 86 ans, il allait avoir 87 ans. Mais il faut me dire, Food for the Poor, Kembe, Relixayo, en fidéicomie. N'importe là que l'église ou institution attitrée veut prendre en charge, Food for the Poor prête à transmettre le côté monde capable à le faire pèlerinage à l'adorer. C'est avec mon plaisir, nous sommes dans Food for the Poor pour nous assister à grande cérémonie d'accueil des reliques de Pierre Toussaint.
Alors, ça qui marque dans la cérémonie, c'est leur attendre biographie, ou attendre réalisation en tant qu'ancien esclave, en tant que nègre, en tant que yomoun qui était perdu dignité, et pour regarder et qui j'en que l'Irobaï tête li une importance qui vient une importance mondiale, une importance internationale. Et qui vient fait que je dis en religion catholique là, eh bien adopter non seulement pour s'allier à, mais il y a travail sous béatification. Donc c'est une cérémonie qui dit nous que rien n'est jamais perdu et dès que gagner souffle la vie, gagner espoir. Et c'est peut-être ça moi-même moi t'as dit je dis en, on n'a pas assisté à des gringolades dans société à nos alliés à. Je pense que exemple ça que nous assisté je dis à exemple ça que nous je dis hein, l'état pour te banou comme un message d'espoir, un message qui dit nous capable de régénérer et même lorsque nous n'en fond bassin hein, mais tout n'est pas encore perdu parce que l'homme et c'est pas seulement l'haïtien mais l'homme peut de grandes choses même dans sa misère, même dans son indignité. Maintenant, c'est mon sa fête, moi, et en pile personnalité présent, et mon qui catholique, mais mon qui pas catholique. Alors, ça, d'après vous montrer une sorte d'universalité de, par exemple, de ça, et puis à tout ce qu'on fait, elle était vivant. Gagné un bagage qui est important pour nous remarquer, c'est que au bon bagage dit là ou dit monde qui catholique monde qui pas catholique, c'est que et je dis hein, c'est justement ça yo, ces barrières ça yo pour nous mettre à côté et c'est peut-être type de discrimination ou peut-être partage dans société à ticlan et qui mettait nous côté nous hier jeudi hein. Je dis, je pense que nous avons un message pour nous lancer by tout le monde et by chaque monde. C'est que dans ça nous est jeudi, hein, j'en ai vu là comme pays, comme peuple, comme nation et comme société. Nous ne sommes pas capables de garder bagaille au travers de nos fenêtres, au travers de. Pas qu'on est un petit porte et que ou c'est catholique, ou c'est protestant, ou c'est vaudouisant, ou c'est islam. Non. C'est un pays à sauver, c'est un pays qui est engagé dans une bataille. Donc moi, je dis, il est important pour que tout haïtien mette main, tout haïtien resserre les coudes de tout haïtien. Nous parlons langage d'amour, langage de bonté, langage d'accueil, et pour nous capables au moins remarrer société ensemble et relancer nous sur des rails de développement. Et ça c'est sûr, l'église catholique li gagne m'ta capable di rythme, l'église catholique gagne ou j'en fait ça, l'église catholique mais institution catholique là li gagne yo tant que le bay tête li pour li faire étude, pour li garder, pour li faire des tests, pour li tendre des témoignages avant que le rivé à la béatification. Donc me pense justement yo dès que yo oublié déclarer le bienheureux, c'est que pas bienheureux yo déclarer le vénérable, c'est déjà on dans bon route là lié et relique là que et faut fort de pour gagner dans chapelle li, ça pourrait peut-être aider tout à un culte et ça pourrait peut-être aider à une autre étude et pourrait permettre tout que je pense que nous mêmes haïtiens nous sommes bien contents un jour matin gagner un saint haïtien parmi tous les saints qui existaient. Donc c'est la prière pour nous continuer la prière qu'on a invité toute société à tout le monde rentrer dans la prière, rentrer dans la prière et parce que gagner un haïtien qui est engagé dans un procès pour béatification, mais rentrer dans la prière tant difficile la vie, je dis alimenter justement pour nous rentrer dans la prière, pour nous demander la présence de Dieu, la main de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu pour nous capables et bien et capable d'y tourner une société d'amour, une société de paix, une société qui a partagé la vie, une société qui a prêché réconciliation, qui a prêché l'amour tout partout côté de passé. Mon invitation de Food for the Poor, Société Monseigneur Beauvoir, qui est responsable exécutif Food for the Poor, pour assister à rapatriement sans et Pierre Toussaint. Pierre Toussaint, Jean-Noël Sotendela, qui à travers chaque sortie, qui c'est un haïtien, frère nous, qui était territoire esclave et qui était venu affranchi. Et à partir des opportunités qu'il a gagnées, il était choisi d'utiliser l'opportunité ça
pour te servir l'autre monde. Donc, j'aime ça dire tout à l'heure dans le micro Radio Télé Kiskeya, il y a trois messages que moi-même, moi prends temps, moi prends somme que moi entendais et qui interpelle l'État, qui interpelle la société. À travers le message de M. Rouzier, moi comprends, je dis, nous gagnons un paquet de bagailles, un paquet de bagailles qui unit nous, qui fait nous sommes force historique à travers le monde. Et bagages à eux et papillés. Il parlait de souliers football Manosano qui était marqué premier haïtien qui était marqué un goal en Coupe du Monde. Qui demandait qui côté lié. Il parlait des saxophones de mon Jean-Baptiste qui sont patrimoine, demandait côté lié. Je comprends que l'État a interpellé dans ce sens-là. Je continue à comprendre, j'en fais déjà que. Le musée de l'histoire venir en nécessité. Je comprends tout à travers un message de Monseigneur Dumas que Pierre Toussaint, c'était un homme qui était bon. Et nous avons souhaité que l'esprit Pierre Toussaint traverse tout haïtien dans un moment difficile que nous vivons là aujourd'hui pour nous tout faire bon. Pour nous sauver le pays. C'est un exemple de responsabilité, un exemple de bonté. Donc, dans une dynamique de l'État-service, nous avons besoin d'inspirer nous de Pierre Toussaint pour nous capables de prendre responsabilité nous envers tout le monde, pour nous capables de bon envers tout le monde. Là, nous avons été informés à partir de l'information internationale que le virus là, il développe dans le pays la Chine, côté qu'elle commence à faire victime, côté qu'elle dit un problème pour tout peuple est menacé, dans le niveau par nous à travers le ministère de la Santé publique, nous avons pris des dispositions. Disposition d'abord pour nous présents dans l'aéroport international, pour nous capables de contrôler tout le monde qui va rentrer dans le pays. Et ensuite, réaliser un spot de sensibilisation que nous avons demandé de rencontrer avec tous les médias à travers l'association médias pour nous remettre un spot publicité ça qui permettre que les peuples haïtiens informés de qui ça coronavirus là et qui précaution il doit prendre dans ce sens. Ça y est. Côté n'a pas parlé là, hier, grand pile en pile réunion qui fait, gagné un command center, un centre de presse, qui pendant n'a pas parlé là, qui a finalisé. Côté que le ministère de la Santé publique, dans le cadre de responsabilité, mettait à la disposition de centres de presse, des spécialistes. Même si ça a été fait pour choléra, qui peut gagner pour responsabilité, pour mission et attribution, pour informer la population des pandémies, des problèmes, côté que tout le monde menacé. Il faut accepter tout. Que la bataille, ça n'est pas seulement une bataille l'État. L'idée est une bataille pays, l'idée est une bataille de société, parce que tout le monde menace. Voilà, équipe TV Caraïbes, dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passez une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.